Energy News. Une vingtaine d'avant-premières sur 5 jours. Les deuxièmes rencontres cinématographiques du Sud commencent aujourd'hui à Avignon. Cet événement à la base destiné aux professionnels s'ouvre au grand public cette année. Marie-Cécile Perry est à l'organisation. Cette manifestation, les rencontres du Sud, permet au grand public de découvrir des films en avant-première et des vraies avant-premières parce que, par exemple, Clinique de l'amour sort quand même en juin. Radio Star sort fin avril, début mai. Marcy Pulami, bon, sort dans 3 semaines. Et c'est surtout qu'on a des équipes de films. On a la possibilité de le faire enfin et grâce aux rencontres d'amener des équipes de films, donc c'est vraiment un plus pour le grand public. Et tous ces films sont projetés au Capitole Centre et Capitole Studio, au Vox et au Pâté Cap Sud. Des étudiants comme Paul, qui est en com à l'Université d'Avignon, se sont impliqués en créant un blog autour de l'événement. L'idée, c'est vraiment de partir de notre point de vue d'étudiant, parce que voilà, c'est un point de vue qui n'est pas forcément représenté d'habitude et c'est un regard qui est vraiment différent. Donc on voudrait traiter de ça, voilà, par rapport aux rencontres. Et alors, ça sera sous la forme de textes, de photos et de vidéos. Et notre blog, c'est leregardenplus.wordpress.com. Voilà, on est vraiment libre sur le choix des sujets, mais on garde ce point de vue étudiant qui nous est propre. Et vous comptez 5 euros pour assister à chaque avant-première. Toutes les infos et les films à l'affiche jusqu'à samedi à retrouver sur le www.lesrencontresdusud.fr. Energy News.